Tu es parti, mais comme tu es. Tu peux te. Enfin, tu t'es réveillée. Je croyais que tu allais mourir dans ton sommeil. Je te dois. Tu ne me dois pas. Pourquoi? Tu ne cherches pas ton mari. En tout cas, il n'est pas sorti. Sache qu'il n'est pas dehors. Comme tu dormais là, nous on a pris notre temps. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc oui, la bébé dans ma chambre, il dort profondément, comme un bébé. Qu'est-ce que je dois comprendre, Anna? Comprends ce que tu veux comprendre, c'est ton problème. Moi, quoi? Si je comprends, tu es venu me narguer, c'est ça? Ouais, n'est-ce pas dormir avec toi alors que c'est avec moi qui devais dormir? Hein? Il s'est rattrapé, oui. Parce que tu m'entends, ton machin est dans le ventre, là. On ne t'a jamais fait ça jusqu'à tu veux te donner des élos. Oui, vends. On n'a jamais fait. Mm-hmm. Pour une fois, la roue s'est renversée. Maintenant, c'est moi qui te fais ce que je me faisais. J'espère que ça te fait du bien. Tu penses que tu vas t'en sortir? Tu m'en sors toujours. Tu ne me fais pas, maman. Même pas un peu. Aïe. Je tiens juste à te dire que tu n'es pas encore née. Tu n'es pas née pour rivaliser avec moi. Je vois, non, c'est ce qu'elle constate. Je vois que je ne suis pas encore née. Ce qui parle là, c'est ma grand-mère. Tu me cherches, c'est ça? Tu bois le jus. Tu me cherches. Je vois que tu veux qu'il t'arrive quelque chose. Tu es en train de chercher une petite bastonnade à plein soleil comme ça. Donc, on te dit la vérité. Tu as mal quand tu parles de bastonnade. Et tu es obligé de venir me narguer. Je te dis la vérité. Tu es obligé de venir crâner avec. C'est la vérité, non? La vérité de quoi? Parce que quand toi tu crânais là, tu ne voyais pas que non, tu ne dois pas me narguer. Foutaise. C'est à moi que tu dis foutaise. C'est à toi. Je ne pense pas qu'il y ait trois personnes dans ce salon. Je suis souvent tranquille. Et puis comme ça, vous venez me provoquer. Vous dites après que c'est moi qui ai mes problèmes. Est-ce que tu as essayé de vendre? Combien tu veux tuer l'enfant là-bas ou bien? Il n'y a pas besoin de te justifier mes vêtements. Hé, hey, mamie, il n'y a pas de manière que tu justifies. Oh, mamie, on sait, maman. Tu me cherches, Alice. Pourquoi tu veux trembler? Tu veux te secouer un peu? Donc, tu n'as pas bien dormi. Tu as dormi jusqu'à donc. On sentait que tu as dormi comme quelqu'un qui a même préparé ou bien qui a fait un grand ménage à la maison. Tu dors jusqu'à. Je croyais que tu étais me morte. Regarde-moi le bambou. Là-bas, tu n'aimes pas oui, forte. Oui, mamie. Quand il faut donner à un homme comme il faut oui, donner, tu maman. N'arrives pas. Oui, maintenant il dort alors, non. Juste là, tu viens t'asseoir, tu veux gueuler, oui, tu veux bavarder, tu veux gesticuler. Il faut que tout le monde entende oui, ça. Oui, on a fini, il dort. Moi, je suis sortie, j'ai enlevé ma grève, j'ai mis la perruque, tout ça. Donc, tu comprends que... Regarde, la course des enfants se marient. J'ai l'impression que c'était ta première fois de jouer. Oui, c'était la première fois, maman. Je n'ai jamais joué. Je ne connaissais pas encore ça. C'est comme on dit qu'on envoie une femme au 7e ciel. Mmh, c'est comme s'il fallait que tu tombes enceinte et que je vive ça. Il fallait. Regardez. Mmh. Honte à toi. Oui, honte à toi. Tu viens d'asseoir, on a fait. Il est fatigué. Attendons, voir quand il va sortir là. Qui est-ce qu'il va choisir de rester avec? Oh oh, rester avec qui ici là? Il a décidé de rester avec nous deux. Tu ne comprends pas quoi? Regarde-moi l'autre. Viens s'asseoir. Les vraies femmes, elles partent, elles écartent, elles partent, on fait là-bas, elles font l'amour, elles conçoivent. Une vraie femme, ça conçoit après un rapport sexuel. Toi là, tu allais où tu avais conçu, où tu n'as pas conçu. Tu es la seule à connaître. Où est ta part? Où est ta part d'enfant? Tu as 5 rubans que tu veux tuer l'enfant. C'est mon enfant ou c'est ton enfant? C'est pour toi. Tu veux qu'on en parle? Il faudrait qu'on en parle. Il faut parler. Je vais recommencer à discuter avec toi quand tu vas être de nouveau enceinte. Donc comme depuis, je prends les langues là. Je veux que tu vives un peu ce que j'ai aussi vécu. Que tu sentes un peu comment on fait, comment ça fait quand on est un peu enceinte.
Tu penses que non, c'est que j'ai un peu trop peur de toi. Tu as touché mon verre. J'ai touché. J'ai touché ton verre. Tu vas faire quoi? Je vois qu'elle est venue par faire ton père, tu vas faire quoi? Je vais finir par faire on va et tu t'assois quand tu me et on va continuer même là-bas en prison. Tu t'assois quand tu me parles. Je ne m'assieds pas, je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Oui, tu me menaces. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Donc tu vois que tu me menaces. C'est toi qui décides et c'est moi qui parle. Ok, recule, viens me toucher. Tu es parti, mais comme tu... Tu vas venir avec cette maison. Oui, on a une robe là. Tiens, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Oh, qui de là? Je dis, c'est toi qui enseigne et c'est toi qui fais les choses comme ça. Non, il faut la laisser. Qui de là? Il faut la laisser. Qui de là? Arrête ça. Il faut la laisser. Oh, c'est quoi ça? Tu me dis quoi? Je vais tuer ton truc. C'est quoi? C'est quoi? Alice, arrête ça. Tu es quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? C'est pas elle. Elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Et tu viens toujours crier. Hein? C'est moi. Mais je dois crier. Elle vient me provoquer. Attends. Elle pousse juste, elle pousse mon verre. Elle me donne pas écoute, de écoute, pas écoute. Cristal, j'ai l'impression parfois que tu n'es pas consciente que tu es enceinte. Et tu comprends pas ça? La grossesse, c'est pas une maladie. Ça n'empêche rien. Ok, d'accord. Et toi, tu te tais? Mais tu vas arranger mon habit. Tu as vu ça, non? Tu vas arranger mon habit. Tu vas même déchirer tout ça. Tout ça. Que s'est-il passé ici? Je peux savoir. Elle vient me trouver ici. Elle commence à parler comment je dormais. J'ai dormi comme quelqu'un qui a trop travaillé. Comme si que je n'ai pas besoin de te chercher. Tu es dans sa chambre en train de dormir, en train de ronfler comme un bébé. Vous êtes envoyé en l'air. Et c'était la première fois qu'elle voit le septième ciel. C'est monté, c'est descendu. Elle pousse mon verre. Elle est la première à se lever pour me vectoriser. Tu as dit ça? Laisse-moi, j'ai dit. Et tu vois qu'elle laisse? Attends un peu, Alice. Écoute, c'est le mensonge attends, alors. Attends. Tu as besoin de venir dire à Cristal ce que toi et moi nous vivons dans la chambre. J'ai dit parce que même quand moi j'étais aussi enceinte, elle venait aussi me dire la même chose. Est-ce que tu es obligée? Tu m'as souvent dit que tu es chrétien. Je suis obligée, c'est obligée de faire quoi? De dire, je parle. Ça devient même quoi à la fin? C'est la cour du roi Pétain. Elle veut voir elle est enceinte et comment j'ai perdu mon enfant. Tu vas perdre ton enfant. Le bavardage là, tu vas perdre ça. Tu m'arrêtes ça. Laisse-moi seulement le temps. Tu m'arrêtes ça très vite. Tu as suivi? Il s'agit de mon enfant, et ok? Et pourquoi? Et tu devrais penser à cela. Ah pardon, parce qu'elle a pensé que c'était ton enfant quand j'étais enceinte. Elle n'a rien fait de mal ici. Merci. Tu as perdu l'enfant naturellement, ok? D'accord, elle va se perdre naturellement. Non, tu ne devrais pas te retrouver en train de lui faire des promesses. Parce qu'elle peut te porter plainte. Et tu te retrouves en prison. Parce que comme moi, elle m'a fait des promesses ici là, j'ai porté plainte. C'est ça. Elle n'a pas porté plainte. Porte plainte sur aucune preuve, je vais tuer l'enfant là. Moi, je te dis ça. Si tu as eu peur de... Ouais, ouais, arrêtez ça! Ouais, chérie, arrête, arrête! Arrête ça! Mais, vous savez quoi? À ce rythme-ci, je pense qu'elle va faire venir une troisième femme dans cette maison. Dans quelle maison? Je dis essaye, ici! Dans quelle maison? Je dis que toi, tu n'es pas né! Parce que le rythme-ci, oui, le rythme de vie-ci, okay. Je pense que c'est la seule qui pourra venir ici. Ce sera un bombe pour mon père. Ça, je vous le dis. Quand tu vis avec elle, c'est quoi ça? C'est quoi? Achète le cercueil, tu vis avec elle. Vous deux places. Mais c'est quoi ça à la fin? Je ne peux pas vivre dans la tranquillité dans cette maison. On est toujours en train de tourner à gauche, tourner à droite. Alors faites-moi pas, hein? Je ne vais pas m'apprêter par l'hôpital, c'est mieux pour moi. Quitter sur ma route. Je pense que tu sais qu'on doit aller, y aller ensemble. Hein? Hein? Je pense que tu le sais. Lève-toi. Tu ne fais pas ça. Ouais, vas-y, vas-y. Arrête, arrête, arrête ça. Je te dis que tu as tort. Laisse-moi. Hein? Je m'en fous. Je m'en fous, même si j'ai tort, je m'en fous. On a fait l'amour dans la chambre. Je refais les mêmes choses. Tu arrives ici. La route, c'est ma tête. Laisse-moi, je vais parler. Tu parles de quoi? Je ne suis pas libre. Nous sommes dans un pays libre d'expression. Donc, on ne peut pas faire l'amour dans l'intimité. Tu viens toujours déclarer ça. Je vais vous dire, oui, je vais dire. Parce que voilà, pour vous avez fait, maintenant, ça se voit, vous avez fait. Je vais te punir. Punis-moi. Tu as compris? Ok. Si tu continues ainsi, je vais te donner même un mois. Je ne passe pas de nuit à côté de toi. Je ne te fais pas l'amour. Je ne viens pas vous trouver là-bas. Je te le dis. Oh. Et tu sais ce que ça vaut, ce que je porte là. Wow. Tu as compris? Mais c'est qui ça à la fin? Tu te prends pour qui? Alice. Hein? Mm-hmm. Tu ne peux pas respecter la femme. Elle est enceinte. Et pourquoi? Hein? C'est mon enfant. Elle m'a respecté. J'étais enceinte du voisin. C'était pas ton enfant. Mais c'est à cause de tes multiples problèmes que tu as eu à faire. Ok, elle aussi, c'est à cause de ses multiples problèmes. Elle ne perdra pas cet enfant. Elle ne perdra pas là. Je ne tape pas sur la table et tu tapes aussi. Tu as compris? Laisse-moi. Tu ne fais pas. Elle va perdre l'enfant là. Laisse-moi. Je dis, tu ne tapes pas. Et je tape. Alice, tu m'adresses à qui? Laisse-moi. Tu m'adresses à qui? Je m'en fous. Hein? Laisse-moi tranquille. Tu es possédé à la fin. Oui, je suis possédé. Je la confonds à l'hôpital. Elle est aussi possédée. Et que je te le trouve. Allez à l'hôpital. Elle va revenir sur la table. Tu vas voir à domicile. Je vais tuer ça. C'est quoi ça? C'est ce que tu vois. C'est qui ça, même? Nerd.
Donc, petite partie de plaisir, tu pars raconter. C'est quoi ça la fin? Alors, l'hôpital, vous revenez. Arrête de bouder avec moi. Je te l'ai dit, il faut arrêter ça. Je suis quand même le père de ton enfant. Ça, je te l'ai dit toujours. Faut arrêter, ça fait même un peu voir tes examens là aujourd'hui. Tout ça à cause de ton truc que tu t'as allé prendre ici. Maintenant, on explique que mon enfant n'est pas bien positionné parce que je bouge, qu'on m'a demandé quelle activité physique je fais. Vraiment. En tout cas, c'est simple. Hein? Nous allons prendre une résolution. C'est bien comment on te trouve là. J'espère que tu t'es calmé. Tu comprends? Ce que nous allons faire là maintenant est simple. Alice, il n'y a pas de domestique dans cette maison. Donc, simplement, les tâches ménagères qui concernaient ta pouille épouse. Parce que ma grosse ne tient qu'un fil. Voilà, tu vas devoir les exécuter. Que, pardon. Tu vas devoir faire les tâches difficiles, les tâches compliquées là. Qui est là? Toi, je parle de toi. Donc les tâches qui peuvent faire en sorte qu'elle reste debout, ou bien qu'elle se fatigue là, qu'elle soit courbée ou quoi que ce soit, ce sera désormais ton rôle. Je n'ai pas demandé ton avis. Et ça me demande ton avis. Le mari a parlé et la femme exécute. Elle n'exécute pas. Mais tu parles comme ça à qui même? Hein? Mais si tu trouves que tu ne peux pas rester ici et respecter les consignes de ton mari, tu prends tes pieds, tu t'en vas. Je ne parle pas. Une insoumise. Mais c'est qui ça? Une vraie insoumise. Mais c'est quoi ça la fin? Je demandais, attends un peu. Sa grossesse, ça te surprend? Ça te surprend? Il faut comprendre. Tu sais, c'est comme on dit qu'on a longtemps attendu un enfant. Ah, tu connais ça? Ça, c'est ma première femme. Parce que quand moi, je m'en fous. Tu comprends? Son enfant est assez spécial. Je m'en fous. Wow, vos histoires, c'est pour vous. Mais c'est quoi ça la fin? On va rester là toujours, Alice. Une tâche de plus dans cette maison, aucune. Je voulais appeler votre ménagère. Oh, c'est ce qu'on verra. Parce que quand je suis enceinte ici, je ne sais pas si je sais pas. Quand tu aimes de baston là, je ne vais plus te toucher avec mes mains. J'ai un renfort pour ça. Toi, tu as même toi. Je vais faire venir le renfort. Toi-même, je te dis. Je vais acheter un tuyau à gaz. Je vais commencer à te fesser ici. Je ne mets plus mes mains. Non, achète-moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Toi d'abord, déjà, je vais te parler. Je vais te dire un truc simple. On est allé te demander à l'hôpital d'arrêter de faire dans tous les mouvements que tu fais là habituellement. Et parmi ces mouvements là, tout ce que tu fais, le désordre là que tu fais tout le temps là, tu passes le temps à bagarrer avec ta coépouse. Il faut que ça cesse. Écoute, c'est elle qui te provoque, mais c'est toi qui es enceinte. Pense un seul instant, peut-être ici, que tu viennes à perdre cet enfant qu'il décède dans ton ventre. Regarde donc ton histoire. Écoute, toi-même, tu dois te faire violence. Dis-toi que toi, tu es enceinte, elle n'est pas enceinte. Elle est mal éduquée. Il faut revoir son éducation. Vous n'avez pas éduqué à la même enseigne. Laisse-la dans son éducation. C'est mon problème et elle. Maintenant, toi de ton côté, l'enfant qui est dans ton ventre, je dis, pense à cet enfant-là avant de pouvoir te lever et dire que tu vas. Comme ça, les filles qui sortent des quartiers difficiles. C'est quoi ça? Vous allez même me faire perdre le nord là à la fin. Toi, tu es assise là, tu as perdu ton enfant, tu as perdu, tu seras encore enceinte un jour. Pour le moment, peut-être Dieu a voulu que ce soit la première femme qui accouche en premier. Voilà. Comprends ça, c'est tout. Hein? Et je vous ai dit quelque chose ici le matin. Si vous continuez comme ça, je vais amener une troisième femme dans cette maison. Donc réfléchissez bien, soyez dans la paix et la tranquillité. Sinon, moi je vais faire venir une femme qui sera comme un baume de cœur pour moi, qui va m'apaiser le cœur dans cette maison. Elle va rester dans cette maison. Ce que tu viens avec elle, c'est que vous devez placer à quoi? C'est ce que tu dis. C'est ce qu'elle dit. Hein? Oui. Tes devoirs donc. Tu vas ajouter à tes devoirs ces devoirs. Je n'ajoute pas. Ça, je te le dis. Je dis que je n'ajoute pas. Sinon, je vais couper tes vivres. On n'a pas même pas dans la salité. Je vais couper tes vivres. J'ai faim, pardon. Alice, on a faim. Est-ce que la même chose? Tu as faim à manger? C'est ton tour de faire à manger aujourd'hui. Ça, c'est mon tour. Bon, ok. Qui devait faire à manger aujourd'hui? C'est elle. Attendez, ne m'embrouillez pas. Qui doit faire à manger? Si c'est toi, même si c'est toi, même si c'est Alice, Alice, tu vas te lever, aller faire à manger. Elle ne peut plus rester debout. Il veut même les ouvrir. Désormais, elle sera couchée. D'ailleurs, je vais prendre une domestique exceptionnellement pour elle. Tant mieux, moi quoi, je n'ai pas de problème. Et le jour que je ne vais pas travailler, je ne travaille pas, elle va travailler. Tu as été bastonné dans ton enfance? J'ai l'impression à un moment donné que tu oublies que c'est moi, ton mari. Elle n'est pas seule dans sa tête là, elle n'est pas seule là-bas. Tu te balades avec les gens?
Tu me parles. Tu m'as fait quoi? Tu me parles. Hey, hey, cette fois-ci, tu vas éviter. Ça, je te le dis sincèrement. Tu vas éviter. Je ne vais pas te mettre les filles là, vont s'occuper. Mets-toi debout, tu vas faire les œufs. Je ne parle pas. Attendez, vous êtes sérieux? Alice, mets-toi debout, tu vas faire les œufs. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Je ne parle pas. Tu me réponds que tu ne parles pas. Mets-toi debout. Laisse-moi, je ne parle pas. Mets-toi debout, je ne parle pas. Viens ici. Tu te prends même. Allons là-bas. Laisse-moi, ne pas. Allons là-bas. Laisse-moi. Allons là-bas. Laisse-moi. Je ne veux pas. Laisse-moi. Je ne veux pas faire. Dans la cuisine. Allez. Ok. Je ne veux pas. Allez là-bas. Allez. Tu me fais manger. Tu vas travailler. On fait manger en français. C'est qui ça à la fin? C'est moi. Ou c'est moi ou c'est pas moi. Elle va faire. Elle va faire à manger. Tu vas faire à manger. Je ne fais pas manger. Tu veux bien t'asseoir ici? Je ne fais pas manger. Laissez-moi passer. Hein? C'est l'insoumission. Ok. Il n'y a pas de problème, chérie. Alors, je vais te faire les œufs. Et dans l'autre cas... Ah, il faut faire ces bagages. Non, écoute, j'ai un mois sans être à tes côtés. C'est comme ça que j'ai décidé. Trois mois. Ok, trois mois. Hé, hey, va là-bas. Tu parles à qui? Tu la touches pas. Tu parles à qui? Même savoir que ça m'est venu vous trouver. Je dis tu m'est venu vous trouver là-bas. Alors, allons dans la chambre. Je m'est venu vous trouver. Il était le fil là. Trois mois. Le fil là va se couper. Je te serve pendant trois mois. Son fil là, la grossesse tient à un fil là. Ça va se couper. Je te serve. Ça va se couper. Serve-moi. Avant les deux mois là, il aura perdu la femme là. Tu ne fais rien. Il aura perdu la femme là avec moi. Je m'en fous. Tu vas rester comme ça. Oui. Avec quoi tu vas nourrir ton pourri? Ok.